Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 10 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une belle journée hier. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte reproche. Le message de ton âme, je voudrais juste faire une petite parenthèse, soyez bien à l'aise et prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, n'est-ce pas, dans ces messages. Hein. Alors, ton âme est... Le message de ton âme, tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie. Et tu crois qu'elle représente qui tu es et ce que tu fais. Encore une fois, vous savez ce qu'on pense, on est, hein? Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches, eh bien, ne sont pas fondés, car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé ou retrouvé eux, très souvent démunis eux, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé eux, dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là. Je la ressens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques, eh bien, ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique, merveilleux, merveilleuse, et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Message de tes guides, les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas. Non, ne t'en veux pas. Sois indulgent, indulgente envers toi. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour déterminer et terminer tout ce que tu as commencé.
dans les 3 semaines qui arrivent. Tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis tellement longtemps. Et tu as toute la force en toi. Alors, eh bien, connecte-toi à ta force intérieure. Sois bienveillant, bienveillante. Et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant, confiante et sûre, sûre de toi. Tu peux le faire, oui, tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est. Eh bien, tu es prêt, tu es prête. Le jour est venu, les jours qui arrivent, ça va être du pain béni. L'entité te dit « Je ressens tes reproches et je les comprends, j'en avais aussi beaucoup. » Que ce soit vis-à-vis de moi-même, mais aussi des autres, j'étais très souvent dans les reproches. Je pouvais avoir des difficultés à me remettre en question et je pouvais demander beaucoup aux autres. Et ce que je demandais, je ne l'appliquais pas forcément à moi-même. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Je m'en rends compte que ce n'était pas juste pour moi ni pour les autres. De tous les reproches intérieurs et extérieurs, eh bien, je tire un très grand enseignement. Je comprends leur sens et je comprends ce que je n'acceptais pas en moi. Ce que je pensais inacceptable était simplement, eh bien, ma partie sombre. Et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon. Pardon si cela a pu t'impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi. Pardonne-toi aussi. Très beau message encore une fois. Alors, je termine avec les 5 blessures et aujourd'hui, j'ai pigé une carte injustice. Aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.